Bonjour tout le monde, je suis au travail, je suis au boulot. J'arrive. J'arrive. Bonjour tout le monde, Bokoto, bonjour Teddy. J'ai pas beaucoup de temps, je n'ai pas beaucoup de temps, je suis au boulot, je n'ai pas beaucoup de temps. Non, na musala et nazana tamingite oh. Non, na musala nazana tamingite. Bonjour, 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 bonjour. S'il vous plaît, taguez les collègues, taguez les camarades, taguez. Je suis venu juste pour répondre. Je suis venu juste pour répondre à la fille de Gizengi, là. Celle qui. Oui. Bonjour, maman Big. Je suis très en colère parce que je vis une vidéo qui circule sur le net. C'est la fille, la Rwandaise, la fille de l'autre, là, le Banyarwanda, qui a été nommée ministre, je ne sais pas de quoi, parce que c'est vrai, franchement, je m'occupe pas trop de ce qu'ils sont en train de faire. Toi, la fille de Gizeni, toi, la fille, la Rwandaise de Gizeni, là, à partir d'aujourd'hui, c'est interdit pour vous. Je vais te vous voyer parce que je ne vais pas te tutoyer. Je vous vois. À partir d'aujourd'hui, parce que vous n'êtes pas congolaise, voilà pourquoi je vous vouvoie. À partir d'aujourd'hui, elle vous est interdit, il vous est interdit de citer les noms de Docteur Mukwege. Mais alors, mais interdit, si vous ne voulez pas d'histoire, parce que vous avez trop joué avec les Congolais. Excusez-moi, c'est quelqu'un qui m'a appelé. Arrêtez de m'appeler, s'il vous plaît. Je suis très en colère, j'ai pas beaucoup de temps. Nazan Moussala, j'ai pas beaucoup de temps, donc voilà. Je voulais dire, je disais à la Rwandaise, l'Hirondelle, la Rwandaise, la fille, les Banya, ce ne sont pas des Banya Mulenge, ce sont des Banya Rwanda. Il faut leur dire, taguer les autres, envoyer la vidéo et comme elle est là où elle est. À partir d'aujourd'hui, il lui est interdit de pouvoir citer le nom de Mukwege dans les Ubwenge, dans les mensonges, s'il vous plaît. Arrêtez de parler de Mukwege. La Rwandaise, là, la Rwandaise, la fille de je sais pas, Gisaro, là, la fille de Gisaro qui a posté une vidéo, là, ce matin, en parlant de docteur Mukwege. Il vous est interdit de parler de docteur Mukwege comme ça, s'il vous plaît. Hein? S'il vous plaît. Docteur Mukwege, oui, c'est un prix Nobel. C'est un prix Nobel de la paix. C'est un prix Nobel qui lutte encore aujourd'hui sur les exactions que vous, les Rwandais, vous commettez dans notre pays. Que vous, les Rwandais, vous tuez nos mamans, vous tuez nos femmes, vous tuez nos papas. Jusqu'aujourd'hui, vous êtes toujours en train de continuer de tuer. Et aujourd'hui, vous vous permettez de vous lever, de parler de docteur Mukwege. Je vous interdis, les Congolaises, réveillez-vous. Il faut surtout pas l'accepter, surtout pas qu'il y ait une Rwandaise qui se lève pour insulter un Congolais. Non, pas du tout. Docteur Mukwege, c'est un Congolais 100%. Vous n'êtes pas des Congolais, vous êtes des Rwandais, vous êtes des Ibouengues, Ibouengues, vous êtes des menteuses. Vous êtes des menteuses. Vous, les Rwandaises, de quel droit vous vous permettez de vous lever comme ça, vous prenez votre vidéo et vous commencez à parler, à faire des réflexions à Dr Mukwege? De quel droit, Dr Mukwege, c'est un Congolais. Vous êtes des Congolais, vous êtes des Banyarwanda. Vous devez rentrer chez vous. Vous êtes des Banyarwanda. Donc, mes chers amis, mes chers collègues, taguer les autres, c'est-à-dire partager cette vidéo, que la vidéo arrive juste à cette fille qui a posté, cette fille rwandaise, la fille des Massa, des Gizero, ce Gizero, je sais pas quoi. Les Banyamulenge qui viennent chez nous pour tuer. Combien de Banyamukonye, les Banyamulenge tuent encore jusqu'aujourd'hui? Ils massacrent aujourd'hui, regardez dans nos villages, regardez à l'est, jusqu'aujourd'hui, et personne ne dit mot. Et elle se permet de s'élever aujourd'hui, ce matin. Elle se permet de s'élever, de faire une vidéo pour parler de Dr Mukwege, pour faire une réflexion à Dr Mukwege, mais de quel droit? Mais on est où? On est où là? C'est le monde à l'envers. C'est comme ça qu'elles arrivent, ces Rwandaises là, avec leurs mensonges, avec leurs Ubwenge. S'il vous plaît, partagez cette vidéo. Oui, c'est moi. Partagez cette vidéo, s'il vous plaît. Partagez cette vidéo. Que la vidéo lui arrive. Mettez cette vidéo sur la toile. Qu'elle arrête, qu'elle ferme sa petite gueule. Moi, je vous dis, fermez là, la Rwandaise, là, la fille des machins, là, je sais pas, celle qui est venue, fermez là, partagez cette vidéo.
Fermez-la, parce que la vidéo que j'ai vue ce matin, mais c'est pas possible. Mais c'est le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers. Elle se permet, une Rwandaise qui est en train de tuer dans mon pays, elle se permet de s'élever, de faire une vidéo pour faire des réflexions à monsieur, à docteur Mukwege. Docteur Mukwege qui lutte encore jusqu'à aujourd'hui, qui s'occupe des femmes jusqu'à aujourd'hui. Et dans son discours, il avait bien dit qu'il ne fait exception de qui? Des personnes, de toutes les femmes qui sont mutilées, elles s'en occupent. Et elle serait aujourd'hui, elle vient dire que, non mais vous vous rendez compte, le monde à l'envers. Mais les mamans congolaises, réveillez-vous, il faut parler à ces dames-là. Il faut parler à ces Oubouéguéna, partager cette vidéo. Madame, la fille de Guy Saro, si vous êtes au Congo, c'est parce qu'il y a une complicité avec Félix Tshisekedi. Vous le savez très bien. C'est parce qu'il y a, le jour où il y aura un Congolais patriote qui sera sur le Congo, qui sera à la tête du pays, vous ne serez plus là. Vous allez rentrer chez vous. Sachez-le. Ou si vous voulez rester dans notre pays, il faut qu'il y ait dans le règle de l'art, dans les règles de la Constitution. Vous n'avez pas les droits, vous, une Rwandaise, de vous lever comme ça, de commencer à critiquer un médecin, un prix Nobel de la paix, qui répare les femmes, que vous, les Rwandaises, que vous, les Rwandais, que vous, les Banyamulenge, mutilent dans notre pays. Et maintenant, vous venez, je vous dis, attention, hein, attention, hein, que ce soit la dernière vidéo que vous faites contre Mukwege. La dernière. Vous n'avez pas les droits, vous, de critiquer les Congolais. Au Congo, en plus, vous allez rentrer chez vous. Vous n'avez pas les droits. Vous n'avez pas les droits. Taguez cette vidéo, s'il te plaît. Envoyez la vidéo jusqu'à cette dame, parce qu'elle a posté mon sujet, poste. Parce qu'elle n'a pas les droits, d'accord? Elle n'a pas les droits de pouvoir faire des réflexions à Dr. Mukwege. Elle n'a pas les droits. Elle n'a pas les droits. Parce qu'elles arrivent comme ça. C'est comme ça qu'elles arrivent. C'est comme ça qu'elles arrivent petit à petit avec leurs ouingues, les mensonges. Elles commencent à toucher les Congolais. Quel que soit, si Dr. Mukwege a fait quelque chose qui ne va pas, c'est nous les Congolais, nous allons nous asseoir entre nous et puis parler de ça et discuter de ça. Ce n'est pas un étranger ou une étrangère qui vient s'immiscer dans les problèmes des Congolais pour dire oui, Dr. Mukwege, ceci, cela, ceci, c'est ça. Madame, je vous conseille de terminer, de vous arrêter, de la fermer. Mettez un scotch devant votre bouche, s'il vous plaît. Ne touchez surtout pas au docteur Mukwege. Mais tu te rends compte? C'est le monde à l'envers. Non, mais attendez. Elle fait une vidéo, la fille, parce que son père a été élu ministre, je ne sais pas de quoi, par le gouvernement de Tshisekedi, les gouvernements des Banyarwanda. Les gouvernements là, que Félix vient de nommer. C'est le gouvernement des Banyarwanda. Vous ne trouverez jamais au Rwanda un Congolais ministre là-bas. Jamais, vous ne trouverez jamais. Mais seulement au Congo. Pourquoi? C'est parce que nous sommes dans un pays qui est dirigé par quelqu'un qui est... je me retiens. Je me retiens. Quelqu'un qui est en train de vendre, qui a vendu le Congo, en fait. Voilà. Je reste poli. Qui a vendu le Congo aux Rwandais. Qui a vendu le Congo aux étrangers. Ça, je vous le dis, c'est vrai. C'est la vérité. Et vous... Madame, la fille de Guy Saro, ça, si c'est la fille de Guy Saro, vous êtes permis ce matin de poster une vidéo où vous êtes en train de faire des réflexions à Dr. Mukwege. Que ce soit pour la dernière fois, Dr. Mukwege n'est pas un Rwandais. Dr. Mukwege lutte jusqu'à aujourd'hui pour les Congos libres. Jusqu'à aujourd'hui pour les Congos libres. Donc vous, arrêtez, arrêtez-vous. Je vous interdis, vous, cette dame. La fille de Guizaro, vous qui avez posté la vidéo ce matin, je vous interdis de parler de aucun Congolais. Même pas, ni en bien, ni en mal. Ne parle ni en bien, ni en mal du docteur Mukwege. Tu la fermes seulement, c'est tout. Et sache que le Congo sera libéré un jour. Et nous, vous allez rentrer dans votre pays au Congo. Vous n'êtes pas les Banyamulenge. Vous êtes les Banyarwanda. Vous êtes venus, nous, on vous a accueillis. On vous a donné l'hospitalité. Maintenant, vous voulez nos terres. Où est-ce que vous avez vu ça? Et vous tuez nos mamans, vous tuez et vous volez nos terres. Non, et en plus vous venez par-dessus le marché, venez nous faire des réflexions. Et puis on est où là? Maman, les mamans congolaises, où êtes-vous? Réveillez-vous les mamans congolaises, postez des vidéos, répondez à cette dame. Je viens seulement dire aux gens, répondez à cette dame, s'il vous plaît. Parce que c'est comme ça qu'elles viennent ces gens-là, les Bouengs et là. C'est comme ça qu'elles viennent avec leurs mensonges, comme ça. C'est ça dont ce sont des hirondelles. Je suis un peu énervé. Pardon, pardonnez-moi, je suis un peu nerveux parce que quand j'ai vu cette vidéo, j'ai dit, je ne peux pas
m'arrêter. Non, je ne peux pas. Naza Moussala, mais je ne peux pas. Je suis obligé, mais obligé de répondre à cette dame. C'est pas possible. Les mamans congolaises, êtes-vous? Répondez vite. Faites de plus de vidéos. Répondez à cette dame. Parce que si j'ai silence en face, si elle voit qu'il y a le silence en face, elle va toujours continuer. Répondez-la tout de suite, les mamans congolaises, s'il vous plaît. S'il vous plaît, les mamans congolaises, où êtes-vous? Faites des vidéos. Faites des vidéos et répondez-la. Ce n'est pas normal. Elle n'a pas les droits. Elle n'a pas les droits de faire la réflexion. Elle n'a pas les droits. C'est lui interdit de parler, même les Rwandais, même ni en bien, ni en mal, aux Congolais. Non, ils n'ont pas les droits. C'est interdit. Madame, je vous interdis à partir d'aujourd'hui, la fille de Guizarro, là, je vous interdis à partir d'aujourd'hui, ne parlez plus de mal des Congolais. Ne parlez plus de Dr Mukwege. Si, mais c'est interdit, au fait. C'est interdit. Ferme ta petite gueule, d'accord? Fermez-la et arrêtez de parler de Dr Mukwege. Dr Mukwege souffre pour vos exercices, pour tout ce que vous faites au Congo. Dr Mukwege souffre beaucoup. Et vous vous réveillez le matin, vous parlez de Dr Mukwege et Dr Mukwege et vous avez un... Et tout ce que vous faites là jusqu'à aujourd'hui, les enfants éventrés, les femmes enceintes éventrées, là vous n'en parlez pas, vous parlez des 200 Congolaises qui ont été tuées. 200 Congolaises qui ont été tuées. Et nous, aujourd'hui, nous comptons des millions de Congolaises tuées, éventrées, et jusqu'à aujourd'hui. Et vous, vous réveillez, la Rwandaise, vous réveillez pour faire des réflexions à M. Mukwege. Mais on est où là? Je vous interdis à partir d'aujourd'hui. Les mamans qu'on laisse, levons-nous. Parce que c'est comme ça qu'elles viennent, ces femmes-là. Bayara bon na mouyibi. Bayara ka bon na lokuta. Bayara na lokuta. C'est comme ça qu'elles arrivent. Donc, réveillons-nous. Il faut répondre à cette dame, la fille de Massaro. Maman congolaise, la mouka, il faut qu'on réponde à moi, la moisiwana, maman Massaro, là. La Guizarro, là. Si, c'est Guizarro, là. Il faut qu'on réponde. Il faut qu'on réponde vite même, mais en urgence. Que akanga mounogunaye, aloba, ni en bien, ni en mal, y a pas congolais, ni y a docteur Mukwege. S'il y a des problèmes, les Congolais vont se rencontrer entre bisous et on en discute, on trouve une solution. Ce n'est pas à elle de parler de ça. Ce n'est pas à elle. C'est lui interdit. Mais interdit, comment interdiriez? Donc voilà, merci Nazan Moussala. C'était juste pour répondre à cette dame. Je ne pouvais pas, je transpire. Je transpire de colère parce que je me dis non, mais ce n'est pas possible, on nous tue et on vient encore se victimiser devant nous en plus. Alors que c'est eux qui nous tuent. Et il vient se victimiser. Non, mais où est-ce que vous avez vu ça? Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Je ne peux pas rester longtemps parce que... Naza Moussala, donc je ne peux pas rester longtemps. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. En tout cas, merci Mingi. Je suis très en colère. Je transpire de colère. Il faut partager la vidéo. Les mamans congolaises, réveillons-nous. Ces femmes rwandaises commencent à venir. Ça commence... Babaniko, il y a. Ma maman. Ma femme rwandaise, Babaniko, téléma. Les mamans congolaises, il faut que téléma. Faites des vidéos. Parlez, faites du bruit, s'il vous plaît. Babandi Koya, la vidéo, la bango, ya, chrétien docteur Mukwege. Et vous, vous laissez ça? Non, moi, je ne laisserai pas. Je ne laisserai pas. D'accord? Allez, merci beaucoup. Et vous partagez la vidéo et commentez. Je veux que cette vidéo arrive à cette dame. À cette dame qui s'appelle, je ne sais pas, la fille de Guizarro qui a été nommée, le Rwandais qui a été nommé, le ministre, le premier ministre lui-même, c'est un Rwandais. Et maintenant, il nomme les Rwandais. Et la fille des Rwandais, là, les Rwandais qui a été nommée, sa fille se lève, il prend le culot de pouvoir parler le mal de Dr Mukwege. Et nous, les Congolais, on est là. Il y a une fille qui se lève comme ça, qui parle avec un français de Rwandais. Et il vient, il parle de nous. Voilà, il critique notre Dr Mukwege, premier prix Nobel de la paix. Et nous, on est là, on regarde. On dit rien du tout. Non, mais attendez, on est où là? Le monde est à l'envers. Vous arrêtez ça, s'il vous plaît. Je vous interdis, vous les Rwandaises, fermez vos gueules. Allez crier là-bas chez vous, là-bas. Allez crier chez vous, là-bas chez Gagabé. Il paraît que vous avez un pays maintenant qui est le paradis de l'Afrique. Mais qu'est-ce que vous avez avec les Congo qui est en souffrance? Qu'est-ce que vous avez avec les Congo? Allez-y, rentrez chez vous. Rentrez chez vous, les Congolaises, là. Les Rwandaises. Rentrez chez vous, vous n'êtes pas les Banyamulenge. Vous êtes des Banyarwanda. Moulengue ne vous appartient pas et ne vous appartiendra jamais, quel que soit ce que vous êtes en train de faire. Voilà. Merci beaucoup. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Et commentez. Et je vais voir d'autres vidéos, d'autres mamans parler de ça, s'il vous plaît. Allez, merci.
Je vous aime bien. Partagez la vidéo. Allez. Partagez la vidéo. Et comme elle a eu moi sur mon compte, parce que la vidéo circule là depuis ce matin, où elle a pris son téléphone, où elle est en train de parler, de critiquer le docteur Mukwege. Cette dame, la fille, la rwandaise, là, excusez-moi, je transpire. La fille, la rwandaise, il y a une rwandaise qui s'est levée ce matin, la fille de Gisaro, qui s'est levée ce matin, qui a pris son téléphone et qui a commencé à faire des réflexions à docteur Mukwege. De quel droit? On est où là? De quel droit? On est où là? J'arrive, je suis au travail. De quel droit? On est où là? Tozawa, là. De quel droit?